Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Unboxing de calendrier de l'Avent. J'ai enfin reçu ma commande du site Cosmetic for Less. Je vous ai déjà dit que j'ai commandé donc le calendrier essence qui est juste ici de 24 cases et le calendrier Catrice. Donc le Catrice, je l'ai mis bien de côté pour vous le montrer dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le calendrier essence. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est quand même très grand, comme vous voyez bien. Il rentre même pas dans le cadre de la vidéo. Voilà. Il est très joli, il est assez sympa, avec des petites cases numérotées. Il est fin, comme vous voyez bien. Et derrière, il y a la photo des produits, un tout petit peu, hein. Je pense pas qu'il y a tout. Mais en tout cas, j'ai pas regardé, comme ça, je découvre avec vous. C'est marqué Home for Xmas. Donc là, on a carrousel, machin et tout. C'est Noël quoi, voilà, c'est décoration de Noël. Donc, je vais l'ouvrir, donc là il est plastifié de partout, je vais l'ouvrir vite fait et je reviens tout de suite. Voilà, je l'ai déballé. Alors, ce calendrier de l'Avent, il a coûté 24,99€, donc il est un tout petit peu plus cher de 5€ de celui que je vous ai montré. Le DIY, le do it yourself, celui de essence. Et les produits qui se trouvaient dans le calendrier DIY étaient vraiment très sympas, que des full size et il y a de tout. On va voir aujourd'hui si les produits sont vraiment bien dans celui-ci. Donc voilà, let's go, on va commencer à ouvrir. Alors, il s'ouvre comme ceci, c'est trop mignon. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Comme vous voyez bien, vous avez un gros sapin de Noël là. Et tout, donc voilà. Case numéro 1. Ça va être la galère, comme d'habitude, pour trouver les cases. Et c'est juste ici, voilà. Et on a quoi ici? On a... Bon, ça va être la galère parce qu'ils sont mis dans des trucs en plastique, là, vous voyez. Il y a un enfoncement pour sortir les bazars, mais voilà. Je vais me munir de ma pince pour les sortir. Donc ici, on a un petit produit comme ceci. Je vais me rapprocher, hein, les amis. Hein. Donc voilà, je me suis rapprochée. Ici, on a un produit qui est... Ah, une poudre fixante Mini Matte Fixing Powder. Donc ça, c'est trop cool. Moi, j'ai pas ce produit. Pourtant, j'en ai beaucoup, hein, des produits essence. Mais celui-là, je ne l'ai pas. Donc, mini poudre fixante matte pour un fini matte et naturel. Longue tenue pendant l'hiver. La nuance transparente convient à tous les types de peau. Donc, elle est translucide, on va dire. Donc, quand on l'applique, on ne va pas voir ce côté blanc. Donc voilà où c'est marqué « Let it snow » et il y a un flocon de neige qui est gravé et c'est marqué « Let it snow ». Franchement, c'est trop sympa. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose de là-bas, mais voilà. Cool pour un premier produit. Alors, la case numéro 2 qui se trouve juste ici. Mini lipstick. Waouh, c'est trop cool. En fait, c'est peut-être des produits qui ne sont pas en vente, qui sont faits juste pour le calendrier de l'Avent de Noël. Donc voilà, il y a un petit paquet comme ça où c'est marqué Mini Lipsticks. Donc, on va ouvrir pour voir. C'est des petits jumbos comme ça. Il y a des guirlandes de Noël et tout, c'est trop chou. Et les teintes sont vraiment magnifiques. On a un nude rosé ici et on a un framboise, on va dire framboise. Je vais swatcher pour voir si c'est pigment. Waouh! Ben, c'est des mattes en fait et très pigmentés. Alors là, je suis vraiment surprise. Et ça sent bon. Magnifique couleur. C'est des petites jumbo, hein, mais bon. Je pense que ça va tenir très longtemps quand même. Donc voilà, il y a 1,8 g. Matte mini lipstick, mini rouge à lèvres matte. La teinte, c'est 01 Feel the Magic. Et puis, on a le deuxième qui est dans la teinte 02 Spread the Love. Qui est framboise comme ceci. Pas framboise, non. Quand je le swatch, il est plutôt rosé. Voilà, mais il est pigmenté. Hein. Waouh, c'est vraiment pigmenté. Magnifique. Ça, c'est hyper pratique à mettre dans le sac, un petit rouge à lèvres mat comme ça. Et l'application est facile avec ces petits jumbo. Troisième case, elle est où? Elle est où? Elle est où? C'est juste ici. Voilà, c'est une petite case qui se trouve juste là. Et là, on a... Franchement... C'est un petit accessoire, mais qui est quand même très pratique. Et surtout, si ça marche bien, ah bah c'est trop cool. En fait, c'est une mini pince à épiler dans un petit plastique comme ceci. Franchement, why not, j'ai envie de dire.
Mais regardez-moi ça, quoi. C'est trop choupinou, ça c'est à mettre dans le sac. Franchement, j'espère que ça va bien marcher. Donc là, il y a un petit plastique. Et... à tester. Franchement, à tester. Et il y a aussi des décorations Noël et tout ça dessus. Donc franchement, je pense que c'est des produits qui sont vraiment créés pour le calendrier de l'Avent. C'est un petit accessoire, mais qui est quand même pratique et utilisable, on va dire. Next, on va passer à la case numéro 4, qui est juste ici. C'est une grosse case. Hein. Voilà. Et on a, bien sûr, la planche de stickers. On ne peut pas y échapper chez Essence. Hein. Mais franchement, ça c'est cool pour Lara, des petits stickers comme ça pour les ongles. On a un petit pain d'épices qui est juste ici. Et alors, les petits dessins, c'est la botte de neige. C'est marqué, oui, des petites écritures Xmas. Oh, oh, oh. Il y a des petits cadeaux. Il y a un pain d'épices. Let it snow. Il y a le sucre d'orge. Donc voilà, c'est mignon, quoi. Lara, elle va s'amuser à les mettre sur ses ongles. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais sinon, voilà, c'est la planche de stickers, quoi. Hein. Le numéro 5 qui se trouve juste ici, et c'est une grosse case. Et c'est quoi ça? Alors, c'est quoi ça? 8 étiquettes cadeaux. Je vais s'en passer, hein, j'ai envie de dire. Hein. 8 étiquettes cadeaux. Voilà. Bah, c'est cool, hein, vu que la période de Noël arrive à grands pas. On va faire des petits cadeaux et tout ça et tout ça. Donc, c'est des petites étiquettes en pain d'épices comme ça. Il y en a 8. Et je vais vous les montrer. Voilà, c'est des petites cartes comme ceci. Et derrière, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, tout à la personne. Voilà. Next, le numéro 6 qui se trouve juste ici au-dessus. Et on a un pinceau qui est aussi spécial pour le calendrier de l'Avent. C'est un pinceau applicateur de fard. C'est génial. Regardez-moi le packaging, franchement. Eyeshadow brush. Ils sont toujours emballés comme ça dans des trucs en plastique réutilisables parce que, oui, vous pouvez remettre donc votre pinceau si vous voulez aller quelque part ou quoi. Et c'est cool avec des petits pains d'épices et tout. Franchement, c'est trop chou. Et regardez-moi la manche du pinceau rouge et blanc comme ça, comme un sucre d'orge. Eyeshadow brush. Et franchement, c'est pas mal. C'est pour appliquer les fards sur la paupière mobile et voilà, c'est nickel. Case numéro 7 qui se trouve juste ici, voilà. C'est un long compartiment et je pense qu'il s'agit d'un crayon. Voilà, c'est un crayon Kajal Pencil Essence à noir. C'est un crayon noir pour les yeux. Et ma foi, il est pas mal pigmenté et il est crémeux. C'est un long lasting. Crayon call pour une application précise, longue tenue. Et pourquoi pas, j'ai hâte de tester. J'en ai pas moi des crayons call essence comme ça, noirs. Et moi j'aime beaucoup hein, pour mettre dans la muqueuse supérieure de l'œil. Donc nickel. Un crayon noir en full size, hein, c'est pas un mini quoi. Next, la case numéro 8. Où est-ce qu'elle est? Elle est juste ici. On a, je pense, une crème pour les mains. Une crème pour les mains avec un packaging de Noël et tout ça. Une crème main hydratante, tout simplement. Un contenant de 25 ml. Numéro 9, juste ici. Ça sent le rouge à lèvres. Ah non, c'est pas un rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, c'est plutôt un vernis. Alors, c'est un vernis d'une couleur magnifique. C'est un... je sais pas vous expliquer. C'est un rose... bronze rose comme ça, je sais pas vous expliquer, mais il est très très beau, il est métallique. Donc c'est un mini vernis à angle métallique de 5 ml. J'ai déjà testé les vernis, je vous ai déjà dit ça dans une vidéo. Ils sentent très bien, les vernis essence, ils sèchent super vite et ils tiennent très bien. Donc voilà, le pinceau il est bien, normal, et la teinte elle est juste magnifique. Voilà. La case numéro 10 qui se trouve juste ici, mais comment on l'ouvre celle-là? Il n'y a pas de truc. Ah ben voilà, j'ai réussi. Un mascara qui est le I Love Extreme. Voilà, c'est un chouette mascara celui-là. Je pense que je l'ai déjà testé et que j'ai aimé. C'est un mascara volume. Donc la brosse, elle se présente comme ceci. Elle est très grosse. C'est une grosse brosse. Donc voilà, c'est trop bien et c'est un full size. Next, case numéro 11, je pense. C'est juste ici.
Voilà. Oh là là, on a un petit bracelet. Un petit bracelet qui est trop mignon. Charm bracelet. Ça, je vais le donner d'office à Lara. Elle va adorer. En plus, c'est un petit poignet là. Voilà. La taille du poignet de Lara, c'est génial. Donc, il est vermine avec une petite étoile comme ceci. Trop choupinou, franchement. Donc, maintenant, vous voyez dans les calendriers de l'Avent, maintenant, quand il y a des petits bracelets, des petits machins comme ça, je les file à Lara. Elle est contente et tout. Donc, nickel, quoi. Case numéro 12. Il est juste ici. On a un baume à lèvres. Lip balm. Aussi dans le thème de Noël avec des pains d'épices et tout, sucre d'orge et tout, à la vitamine E. Donc voilà, Color Changing Lip Balm. Ah oui, c'est un baume à lèvres. Quand vous l'appliquez, il change de couleur en fonction de la couleur de vos lèvres. Pardon. Ils sont pas grand chose, mais la couleur, elle est un peu bizarre, un peu moutarde comme ça, orange moutarde. Et du coup, ça change de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Donc voilà. Ça commence à changer de couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Tout petit peu. Ouais. Pour Lara, c'est trop bien. Le numéro 13. Where is it? Vous savez quoi? Je n'arrivais pas à trouver le numéro 13. J'ai tout regardé. J'ai même enlevé ce que j'ai ouvert pour voir qu'est-ce qui reste. Je n'arrivais pas à trouver le numéro 13. Et vous savez quoi? Devinez où sont les autres produits. Là! Dans le truc ici, franchement, il fallait le savoir. Hein. Parce que là, je suis devenue dingue. Je vous jure, je suis devenue dingue. Je me suis dit, punaise, il manque des cases, quoi. C'est pas possible. Je me suis dit, chaque ouverture de calendrier de l'Avent, je vais avoir un petit bémol. C'est pas possible. Un problème. Mais en fait, ils ont mis des produits là-dedans, quoi. Voilà, ici, c'est le numéro 13, quoi. Je devenais dingue. Je vous jure, je devenais dingue. Du coup, je vais ouvrir ce fameux numéro 13 qui se trouve dans ce compartiment-là. Comme ça, vous savez, si jamais vous l'achetez, hein, vous n'allez pas chercher pendant des années, quoi. Et on trouve, en fait, une décoration pour le visage. Trop, trop, trop jolie. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Il y a du rose et des trucs holographiques comme ça qu'on peut mettre sur le visage. Ça s'appelle Face Jewels. C'est trop trop beau, franchement, j'aime beaucoup beaucoup là pour faire un make-up coloré et mettre ça pour les fêtes de fin d'année, why not quoi. Donc voilà, ouh, parce qu'il y a aussi un truc de l'autre côté. Hein. Bref, le numéro 14 qui est une petite case juste ici et on a... C'est un accessoire mais qui est toujours utile. Bon, si j'arrive à le sortir déjà, ça sera cool. On a un taille crayon, mais qui est pailleté. C'est vraiment spécial Noël, avec des flocons de neige, avec un réservoir. Donc après, vous pouvez enlever le truc comme ceci, et vider le compartiment. Et c'est noir avec des petites paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez de là-bas. Oui, je pense que vous les voyez. Ouais, ouais. Ah ben, c'est génial, quoi. On n'en a jamais assez de ces produits-là. On les perd tout le temps. Du coup, moi, je suis contente. Et on a un pour les crayons fins et un pour les jumbo. Et ça, c'est trop cool. C'est un accessoire simple, mais utile. Next, numéro 15. Le numéro 15 qui est juste ici. On a un petit flacon de quoi? Mini High Gloss Top Coat. Donc ça, c'est pour mettre au-dessus de votre vernis pour le rendre plus brillant. Donc voilà, mini vernis, top coat, super brillant. C'est un flacon de 5 ml qui est aussi décoré pour le thème de Noël. Le numéro 16, qui se trouve juste ici, on a une petite... C'est quoi ça? Ah oui, c'est un produit, une petite palette pour les sourcils qui se présente comme ceci. Voilà. Donc on a deux teintes. Je vais ouvrir pour vous montrer. Et comment on ouvre ce bazar? Je ne sais pas comment l'ouvrir. Ah! Yes, yes! Donc, packaging aussi thème de Noël. On a deux teintes en poudre en fait. On a le petit pinceau qui est fourni avec. Voilà, mais je ne sais pas si c'est terrible parce que je vois déjà que les poils vont un peu partout, qui partent en vrille.
Donc voilà, on a une teinte marronnée claire et une teinte marronnée classique. Et moi, je n'utilise pas ce genre de produit, donc voilà. Case numéro 17 qui se trouve peut-être pas... Ah si, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, on a des élastiques pour les cheveux. On ne peut pas y échapper non plus. Donc, ils sont mignons, hein, comme vous voyez bien. Noir avec des petits pois dorés et un argenté. Donc, c'est cool. Lara, elle utilise souvent des élastiques. Donc, ça peut lui servir. Mais bon, je pourrais m'en passer. Hein. Donc, voilà. Le numéro 18, where is it? Le numéro 18. Franchement, c'est un casse-tête, hein, les calendriers comme ça. Numéro 18, oulala, je vois que ça brille là. Je vois que ça brille. Waouh, ça brille 2000 feux. Et c'est quoi? Glitter Lip Topper. Ah, c'est pour mettre sur les lèvres. Trop, trop bien, j'adore. Il est holographique. Oh, c'est trop, trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Je vais tester, tiens. J'adore ça. J'adore ça, j'adore. Waouh, en fait, c'est l'embout, il est en silicone. J'adore trop. Il faut le mettre comme ça en fait, en aplat. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore trop. Les paillettes, elles sont un peu grosses. Elles brillent super bien, je trouve. Voilà, c'est un topper pour mettre... par contre, je pense que... Non, j'ai fait une bêtise. Je l'ai remis comme ça avec mon rouge à lèvres. Il faut toujours essuyer l'embout avant de le remettre dans le tube. Voilà, c'est un embout en plastique comme ça. Ah, super chouette produit, j'adore. C'est un flacon de 3,5 grammes. Et voilà, c'est un lip topper. Alors, le numéro là, je suis perdue. Le numéro 19, je pense. Hein. Le numéro 19, oui. C'est une grosse case comme ceci. Et on a un truc, je pense, sympatoche. C'est un, en fait, make-up remover towel. C'est une éponge pour nettoyer, pour enlever le make-up, en fait. Voilà. Les fameux trucs-là que tout le monde utilise. Ouh, elle est toute douce. Trop bien. Moi, j'ai jamais utilisé ces produits-là. Franchement, ça m'attire pas trop. Moi, je préfère vraiment enlever mon make-up avec un produit, un démaquillant. Et ça, apparemment, vous pouvez enlever votre maquillage juste avec de l'eau. Donc, l'imbiber d'eau et enlever le maquillage. Mais je suis pas très fan. Mais bon, je vais tester. Même pour enlever les swatchs et tout ça, ça peut servir. Mais qu'est-ce que c'est doux en plus, le thème de Noël et tout ça brodé rouge et blanc comme ça. Et ici, on a la marque Essence comme ceci. C'est quand même assez grand. Et c'est cool, franchement c'est cool. Alors, le numéro 20, where is it? Il est juste ici. On a un autre vernis qui est rouge, quoi. Le rouge de Noël, quoi. Voilà, le rouge de chez Rouge, quoi. Vegan, donc mini vernis à ongles brillant, vegan. Next, le numéro 21, qui est ici, et c'est une grosse, grosse case. Alors, je vais l'ouvrir par ici, et on a quoi ici? Mais non! Un mini calepin! Voilà, un mini calepin, voilà, pour écrire, make, donc... To this beauty, this notebook. C'est un notebook en fait qui est mignon, hein? Qui est petit, mignon, rose, où c'est marqué One Wish a Day. C'est un notebook. Voilà. Il y a des petites lignes, les trucs à faire, des pages blanches, des tadadas, life is no one, les to-do, les rendez-vous, les machins. Donc à mettre dans le sac, c'est pratique, mais bon. J'ai pas très envie d'avoir ça dans un calendrier de l'Avent, j'ai envie de dire, hein, voilà. C'est comme ça. Alors, le numéro 22, il se trouve juste ici sur le côté. Et on a what? Un petit jumbo mini highlighter stick. C'est un highlighter, le packaging il est noir avec des petits cadeaux, des dessins de petits cadeaux dedans. Et il se présente comme ceci. Et c'est un highlighter qui est quand même très clair pour ma carnation, on va dire, mais qui est très crémeux. Donc voilà, il est très crémeux, facile à estomper. Il est facile à estomper, mais la pigmentation laisse à désirer. Il est très soft, hein.
Il brille pas beaucoup, je trouve. Voilà, c'est un. De toute façon, c'est très clair pour moi. Donc, je ne saurais pas vous dire. Pour moi, c'est blanc. Voilà, il n'y a pas beaucoup de paillettes, rien du tout. Il est léger, quoi. Il est très, très, très léger, quoi. Je suis un peu déçue quand même de ce produit. Mais voilà, c'est comme ça. On passe à la case numéro 23 qui se trouve sur le côté ici. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, des stickers encore. Body, jewelry, tattoo. Des stickers, des autocollants pour le corps, comme ça, en doré, avec le thème de Noël. Flocons et tout. Comme si j'allais mettre ça sur mon corps, des flocons de neige, quoi. Ça, je suis déçue. Voilà, je suis très déçue. Et la dernière case qui se trouve juste ici, le numéro 24. On a quoi? On a un pinceau! Mais regardez-moi le pinceau, quoi! Il est trop beau, il est petit, il est très doux, mais pour un cadeau du 24, je suis déçue quand même. Il est très joli, il n'y a rien à dire. Il y a des petites étoiles qui montent et qui descendent dans les tons dorés, argentés, holographiques, jaunes. Il est très bien pour aller en dessous des yeux, pour poudrer le dessous des yeux, pour mettre le blush. Mini highlighter brush. Donc voilà. En fait, il est large mais plat sur le côté. Donc pour mettre l'highlighter, ouais, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Il est bien, il est hyper doux, franchement, il n'y a rien à dire. Il est petit, j'aime pas trop les pinceaux petits, moi. Donc, je suis quand même déçue pour le dernier cadeau, pour le cadeau du 24. Je m'attendais à une palette, à un truc très sympatoche, quoi. Mais là, un pinceau, alors qu'on en a déjà eu un pinceau, j'ai envie de dire que tout est déballé, tout est unboxé. Donc, mon avis sur ce calendrier de l'Avent par rapport à celui que j'ai déballé, le DIY de Essence, je préfère largement le DIY, les produits qui se trouvaient dedans, et il était moins cher. C'est ça le pire. Il était moins cher, il coûtait 20 euros, celui-là il coûte 25 euros. Mais c'est vrai que tous les produits sont comment dire, créés pour le calendrier, avec le thème de Noël, les pintes d'épices, les dessins sur les produits et tout ça. Mais je suis quand même un petit peu déçue de beaucoup de produits. Des stickers, il y en a deux. Le calepin, là, franchement, on n'en a pas besoin parce que je pense que tout le monde en a assez. Les élastiques aussi. Le pinceau pour le dernier cadeau, je ne suis pas d'accord. Il est très bien, tout ce que vous voulez, mais j'aurais aimé une palette. Il y a trois sortes de vernis. L'highlighter, bof. Je suis très contente de ces produits-là, de ce produit pour les lèvres aussi. Donc, je ne suis pas très très contente par rapport à celui que j'ai ouvert, le premier de Essence, qui était moins cher et fourni de beaucoup de produits full size et une palette. Il y a de tout, il y avait de tout. Franchement, si vous voulez acheter un calendrier de l'Avent Essence, ah bah prenez l'autre, celui à 20 euros, le moins cher. Je vous le recommande à 1000% parce qu'il y a tout pour tout tester, la gamme Essence. Vous avez des rouges à lèvres, de tout, de tout, de tout. Je vous mettrai la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Mais le contenu de l'autre était vraiment, mais vraiment très, très sympathique par rapport à celui-là. Pourtant, il est plus cher. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce calendrier de l'Avent. Si vous avez regardé mon autre vidéo, vous pouvez faire une petite comparaison et me dire ce que vous en pensez. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Et partagez. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.